Bonjour à vous tous. Merci d'avoir choisi de suivre ce match avec nous. Avec Pierre, bien sûr, Pierre Ménès. Et comment ? Bonjour Hervé, bonjour à tous. Et la proposition de Manchester United qui s'affiche. L'entraîneur a opté pour un schéma 4-4-2. C'est un grand classique qui nous vient d'Argentine. Là-bas, le numéro 10, c'est la star de l'équipe, c'est le dépositaire du jeu. Voici donc la composition d'Arsenal. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va voir un bloc assez homogène. Qui lors de son dernier match avait fait nul à l'extérieur face à Newcastle. On avait été un échec de partout, mais je pense qu'aujourd'hui on va même s'imposer. Copeland. Gibbs. Un bon ballon d'attaque. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. C'est tout près vraiment du protocole. Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'il y a une bonne opportunité, attention. Ousmane Dembélé, bonne récupération au milieu de terrain. Mesut Ozil, Mbappé. Les 30 derniers mètres. L'arbitre qui laisse l'avantage, il va centrer. Ah oui, c'est le jeu. Ce sera une sortie de but. Cristiano Ronaldo. Le paille. Qui va sur ce joueur, Pierre. On peut compter sur lui, on peut apporter son soutien en attaque. Le problème, c'est qu'il associe pas mal de frappes derrière. Il va le faire sortir la défense à cette heure. Et le gardien, la réception de ce centre. Il se bat bien, pour conserver ce ballon finalement. Bien joué, l'interception. Attention, ça peut être dangereux. L'arbitre fait signe de continuer à jouer avantage à Manchester United. Olivier Giroud. Un duel pour la récupération du ballon. Le joueur de la nouvelle équipe qui a connu une faute. Donc il va être parti. Serge Gnabry. Mbappé. Là, c'est une nouvelle faute de Montpellier. Tout est relancé.
qui montre l'exemple sur ce but. Bon, l'action, bonne lecture du jeu. Un but partout, les deux équipes dos à dos. On ne peut pas. On peut peut-être parvenir à trouver la faille. Le centre. C'est la mi-temps, première période équilibrée. Voilà, c'est reparti, ballon dans les pieds des joueurs de Man United. Pogba. Allez, il va jouer la touche. Ah, ben, interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. David Luiz. Oh, il faut l'arrêter. Le ballon est perdu pour tout le monde. Et encore une passe. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Francisco tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Coquelin. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ouais, la bonne passe. Il prend sa chance. Mais ce n'est pas fini. Ils auront rendez-vous avec le championnat d'Angleterre pour cette rencontre. Manchester United accueillera Swansea. Un match que je vais commenter avec toi, Hervé, dans le cadre de cette journée à venir de la première ligue. C'est intercepté par Cosselli. Coquelin. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Pardon, par respecter sa défensive. On peut le mettre maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Allez, une faute de Gomez. C'est une solution pour l'instant. Hein. Voilà du potentiel cette attaque, ça peut tenir sur un but.
garde magnifiquement le ballon. Une très belle séance de conservation. Il est bien taclé, le ballon qui n'est pas personne. Il fait 9 minutes à venir dans cette rencontre. Il est partout. Le ballon reste là. Il est peu de temps pour signaler hors jeu. Il aurait dû attendre pour faire son appel. Laurent Koscielny, Walcott, Aaron Ramsey, Théo Walcott, peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Attention à la réception de ce centre. Mais la passe de la Syrie, il n'y aura pas plus de coup de sifflet.